cette nouvelle vidéo qui va être un vlog. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un vlog. Je voulais vous faire un vlog sur tout le mois de juillet, mais disons qu'on est le 7 déjà et que je n'ai rien filmé. Tout simplement parce qu'en ce moment au boulot, c'est juste la folie. On vient de rentrer d'un séminaire de 4 jours qu'il fallait préparer, etc. Heureusement, ça s'est bien passé. Je suis contente que ce soit terminé. J'espère que ce mois de juillet va se calmer. En tout cas, je sais qu'au mois d'août, ça sera plus calme déjà. Je vous reprends parce que j'ai reçu ceci et je sais très exactement ce que c'est. Puisque vous le savez, chaque année, je participe au prix Nouvelle Loi du Polar avec les éditions Pocket. Et encore cette année, je crois que c'est la 5e année. Il me semble que c'est la 5e année où je participe. Je vais être donc jurée de ce prix. Donc, bah écoutez, on va déballer tout ça. Je sais déjà les sélectionner. Hein. Comme d'habitude, il y a 4 romans. 2 romans français et 2 romans étrangers. Et il va falloir les lire et choisir à chaque fois quel sera le lauréat dans la catégorie roman français et le lauréat dans la catégorie roman étranger. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a un petit mot? Oui. Félicitations, vous faites partie du jury. Voici les 4 titres sélectionnés par les libraires. Nous sommes impatients d'avoir votre verdict par votre sélection d'un lauréat français et d'un lauréat étranger. Et nous vous donnons rendez-vous en septembre pour la remise des prix. L'équipe Pocket. Alors celui-ci, je l'ai déjà lu, donc au moins ça m'en fait un de moins à lire parce que je crois que les délais sont quand même assez courts. Il faut voter avant la fin du mois de juillet. Donc c'est quand même très court déjà qu'on est le 7 et que je viens tout juste de les recevoir. Donc Memory de Arnaud Delalande, donc chez Pocket, hein, tout sont aux éditions Pocket. Celui-là je l'ai déjà lu quand il était sorti en grand format chez Cherche Midi, puisque j'ai la chance de faire partie des partenaires blogueurs de la team thriller de Cherche Midi. Donc voilà, c'était un huis clos qui se passe en montagne dans un espèce de clinique spécialisée pour les gens qui ont des amnésies. Et donc on va retrouver un homme qui va être mort dans la salle commune, on va dire, sauf que bah, les 8 autres témoins, 8 c'est ça, les 8 autres témoins souffrent d'amnésie, donc ils ne vont pas savoir ce qui s'est passé. Et donc on va suivre l'inspectrice Jeanne Ricoeur qui va essayer de résoudre cette énigme. Moi j'avais un souvenir bon, qui était sympa, mais c'était loin de la hype que m'avait donné le résumé. Donc voilà, pour moi c'est pas un roman qui mérite vraiment un prix. Donc je vais voir ce que donnera le deuxième de la sélection française qui est La part du démon de Mathieu Le Serre, qui a déjà reçu le prix Bête Noire des libraires apparemment. Donc là on est une religieuse qui est sauvagement assassinée et mutilée à Paris. C'est la première affaire du lieutenant Esperanza Doloria à son arrivée au 36 rue du Bastion. Donc enseignement 36 quai des Orfèvres il me semble. Au couvent où enquête Esperanza, le capitaine Manuel de Almeida, la religieuse est décrite comme un ange. Qui voudrait tuer un ange? Mais un mystère plane autour d'elle. À l'orphelinat où elle enseignait, les enfants semblaient terrorisés. Certains prétendent même subir d'horrifiantes expériences. Disent-ils la vérité ou sont-ils manipulés? Bientôt, Esperanza se retrouve seule face à un complot démoniaque que le diable lui-même renierait. Ouh, ça a l'air plutôt pas mal. J'ai entendu dire en tout cas que cet auteur c'était du bon, donc voir ce que ça donne, mais je suis plutôt hypée par celui-là. Et puis enfin, dans la section roman étranger, donc on a Les femmes qui craignaient les hommes de Jessica Moore. Donc là, on est avec une autrice qui est quoi? Royaume-Uni, donc roman anglais. Toutes, elles ont échappé de peu à la mort, au cauchemar des coups, des abus au quotidien de l'emprise. Dans ce refuge sécurisé de la banlieue de Manchester, elles ont réappris à vivre. Ensemble. Alors que Cathy, leur conseillère et amie, a été retrouvée morte noyée sous un pont, un autre défi les attend. Meurtre ou suicide, la police aimerait bien le savoir, ou plutôt deux policiers, inspecteur bourru et sans tact. Comment faire confiance, à nouveau, à la gente masculine? Comment, à leurs mauvaises questions, donner des bonnes réponses?
Et d'ailleurs, sont-ils capables de les entendre? Oula, celui-là, il a l'air d'être vraiment difficile à lire. À voir. Et enfin, le dernier de la sélection au roman étranger, c'est L'Enfant étoile de Catherine Engberg. Apparemment, Camille Lackberg a dit que c'était quel fantastique premier roman. Ok. Et donc là, on est sur un roman traduit danois. Donc en plein centre-ville de Copenhague, une jeune étudiante est retrouvée sauvagement assassinée dans son appartement, le visage marqué par d'étranges entailles. L'inspecteur Jep Corner et son équipière Annette Werner, chargée de l'affaire, découvrent rapidement que le passé de la victime contient de lourds secrets. Quant à la propriétaire de l'immeuble et également voisine Esther, elle est en train d'écrire un roman qui relate dans les moindres détails le déroulement du meurtre. Simple coïncidence ou plan machiavélique? Commence alors pour Jep et Annette une plongée au cœur d'une ville dans laquelle les apparences sont mortelles. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà un petit peu pour la sélection 2022 du prix Nouvelle Voix du Polar. L'avantage, c'est que cette année, j'en ai un de moins à lire. Donc, écoutez, je vais les lire et puis je vous en reparlerai de toute façon dans un bilan lecture. Voilà pour le prix Nouvelle Voix du Polar et puis je vous retrouve prochainement. Salut, on est le 22 juillet. Je vous reprends seulement maintenant pour le vlog qui en fait n'en sera vraiment pas un puisque en fait je n'ai pas eu le courage de vous filmer des petits bouts de vie au quotidien durant le mois de juillet parce que c'est une canicule de fou et franchement tourner des vidéos quand il fait chaud c'est un enfer et les monter encore plus parce que l'ordinateur chauffe et c'est encore pire. Donc écoutez, je vais faire ce dernier rush de vidéos pour vous parler de plusieurs choses, notamment de séries télé, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de séries télé. Attendez, je prends un peu d'eau parce qu'il fait quand même très chaud. J'ai terminé la dernière saison de Peaky Blinders, donc l'ultime saison. C'est la saison 6, c'est la dernière, après c'est fini. Et c'est une série que j'adore, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais vraiment c'était génialissime. C'est une série d'un esthétisme incroyable. La BO est aussi superbe. L'acteur principal, Cillian Murphy, a un charisme de fou. Il incarne hyper bien le personnage de Tommy Shelby. Vraiment, cette série de 6 saisons était incroyable. Mais bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, donc tant mieux que ce soit terminé. Mais j'ai trouvé quand même que la fin laisser une porte ouverte, c'était une fin ouverte où on pouvait se dire bah, est-ce qu'il se laisse une porte ouverte pour faire une suite, un spin-off, je sais pas. En tout cas, j'ai adoré l'ensemble de cette série. Pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une série qui se passe au début du XXe siècle à Birmingham, près de Londres, où on va suivre une famille de Romanichels sédentarisés, donc les Shelby, qui sont un petit peu on va dire des petites frappes. Ils ont une espèce de gang qui sème la terreur qui s'appelle les Peaky Blinders. Et un peu ils ont quand même une classe un peu de gentleman, mais voilà, ils sont un peu dans les magouilles, etc. Et on va suivre notamment Tommy Shelby, qui est donc le cadet, donc le deuxième frère de cette fratrie. Et qui va être très intelligent et qui va construire carrément un business, c'est vraiment un auto-entrepreneur. Et il va monter ses affaires parce qu'il en a plusieurs, embarquer toute sa famille. Et ça va être en fait une ascension sociale de cette famille, notamment de ce personnage-là qui est incroyablement charismatique. On est quand même sur du trafic, des magouilles, de la mafia, on est loin d'être avec des enfants de cœur. Ce qui n'est pas forcément une thématique qui me plaît à la base, mais franchement, le côté anglais, le côté début du XXe siècle avec l'industrialisation, la Première Guerre mondiale, puis là, dans la dernière saison, on arrive vers la montée en puissance du nazisme, etc. C'était hyper génial. Voilà, j'ai adoré cette série, je ne peux que vous la recommander. C'est 6 saisons qui sont sur Netflix. Notamment, donc n'hésitez pas. Et là, je suis en train de me refaire tout Virgin River depuis le début, puisque la quatrième saison est sortie récemment sur Netflix. Donc là, j'en suis à peu près à la saison 3. Et ensuite, j'enchaînerai avec donc, cette nouvelle saison. C'est une série chouchou, doudou, que j'aime bien.
Je la regarde surtout parce que les paysages me font rêver, parce que la petite ville de Virgin River où tout le monde se connaît, où c'est un peu chamallow, doudou, bah, j'aime bien. Voilà, donc c'est vraiment. Voilà, je passe un bon moment, je me détends le cerveau et ça fait du bien. Qui veut? On aura Toulouse pour nous tout seuls. Oui, les gens partent en vacances. Mais cassez-vous, les gens. Ah, partez en vacances. Il y avait les bouchons là ce soir pour rentrer du boulot, c'était l'enfer. Je me tare le mois d'août que Toulouse se vide et moi je prendrai les vacances en septembre. Voilà un petit peu pour les séries télé et puis pour ne pas vous laisser avec un mini vlog de rien du tout, de caca boudin, je me suis dit que j'allais faire le fameux tag de milieu d'année qu'avait fait Séverine sur sa chaîne. Il est bien ce livre, hein, pour vous. Vous la connaissez, hein, c'est la reine du thriller. Tout le monde fait en ce moment des tags de milieu d'année et c'est vrai que j'hésitais à le faire parce que les vidéos tags c'est pas ce qui plaît le plus hein, en général sur YouTube, mais bon je me dis là dans un vlog peut-être que ça peut être intéressant de répondre aux 10 questions. Donc je me munis de mes petites notes. On va commencer, je vous listerai toutes les questions en barre d'infos si jamais vous avez envie de les reprendre, même vous pouvez répondre dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas. Donc première question, combien de livres as-tu lu en ce milieu d'année? Alors après avoir consulté mes statistiques sur Livradict, je n'ai lu que 17 livres depuis le début de l'année. Mais bon, en même temps, j'ai lu quand même des pavés, je crois que je suis à 7200 pages de lu à peu près. C'est vrai que c'est pas un rythme de folie, mais bon, en même temps, je m'étais dit que je me mettais pas la pression non plus sur les lectures. Question 2, tes 3 meilleures lectures en ce début d'année. J'ai adoré notamment Réinventer l'amour. Je ne l'ai pas. Non, je l'ai prêté à ma soeur. Ouais, je l'ai prêté à ma soeur qui me l'a pas rendu. Je pense pas qu'elle ait fini de le lire. Réinventer l'amour, donc de Mona Chollet, qui est un essai féministe autour de l'amour, du couple, etc. Et je trouvais ça super passionnant, comme tous les écrits de Mona Chollet. D'ailleurs, ça me donne envie de découvrir d'autres, puisque j'avais lu Sorcière. Et du coup, j'ai très envie d'en découvrir d'autres. Deuxième lecture que j'ai adorée, c'est Les Aventuriers de la mer 6 de Robin Hobb. Je crois que je l'ai là. Et oui, je l'ai là. Donc Les Aventuriers 6, moi j'adore Robin Hobb, j'adore la saga des Aventuriers de la mer. Et ce tome 6 était juste génial parce qu'on sent un véritable tournant dans l'histoire, on sent qu'il y a des personnages qui prennent de l'ampleur, etc. Il y a des choses qui se mettent en place. Voilà, donc j'ai très envie de lire le 7 du coup. Puis le troisième, c'est un Zola, puisque ça faisait longtemps que j'avais pas lu Zola. L'année dernière, j'avais pas lu. Et là, j'étais ravie de retrouver la plume d'Émile Zola que j'adore. Et donc, j'ai lu La Conquête de Plassans, que j'ai adoré aussi, qui était un peu malaisant, mais super sympa. Bon, je vous invite à aller voir mes vidéos bilan lecture si vous voulez avoir des avis plus approfondis, ou même d'aller lire les chroniques sur le blog. Peut-être que ça sera plus simple pour vous de les retrouver. Voilà, vous avez tout listé. Les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Putain, il y a un oiseau bizarre. Alors, question numéro 3, tes 3 pires lectures de ce début d'année. Bon, étant donné que j'ai lu que 17 livres, je pense que dire 3 mauvaises lectures, c'est pas très pertinent. Je pense que cette question, je me la garde pour la fin de l'année. Donc voilà, puis ça rejoint une question suivante sur la déception, donc... Joker, je passe cette question. Question 4, la bonne surprise de ce début d'année. Et c'est un livre que j'ai lu tout récemment. C'est Time Corridor de Dalia Pérez aux éditions Nouveaux Auteurs. Je ne l'ai pas encore chroniqué sur la chaîne, mais je pense que ça arrivera dans un prochain bilan lecture. Vraiment, c'est une bonne surprise. Pourquoi? Parce que à la lecture du résumé, j'étais un peu sceptique parce que je trouvais que la thématique était un peu casse-gueule. On est sur un roman d'anticipation et en même temps historique où, sur fond de Seconde Guerre mondiale, de voyage dans le temps. Donc le côté suspense, enfin un roman à suspense avec du voyage dans le temps, enfin traitant de la Seconde Guerre mondiale, enfin cette note de fantastique combinée à la Seconde Guerre mondiale, je trouvais que c'était un sujet un peu casse-gueule. Mais finalement, c'est super bien exécuté par l'autrice, la plume est hyper fluide, c'était une bonne surprise. Mais je vous en reparle dans le prochain bilan lecture. Question numéro 5, la grosse déception. Et c'est aussi un livre que j'ai lu et que j'ai terminé. Ben, c'est ma dernière lecture terminée d'ailleurs.
C'est Le silence de Manon de Benjamin Fogel aux éditions Rivage Noir. Petite déception pour celui-ci parce que j'en attendais beaucoup. Au vu de la quatrième où on est sur la thématique du harcèlement en ligne, du féminisme, des masculinistes, etc. C'était des thématiques qui me parlaient bien. Et puis il y a aussi toute une partie musique, groupe de rock, etc. qui me parlait beaucoup puisque vous le savez ou pas, mais j'ai été bassiste dans un groupe de punk rock moi aussi à une époque. Donc il y avait tous les ingrédients pour me plaire, mais je sais pas, la mayonnaise n'a pas pris et voilà. Donc petite déception pour celui-ci. Après ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, hein, mais c'était pas à la hauteur de mes attentes. Mais pareil, je vous en reparle dans le prochain bilan lecture. Question suivante, c'était où la question numéro 6, le dernier livre arrivé dans ta palle. Et vous l'avez vu dans le clip précédent, ben les derniers livres qui sont arrivés dans ma palle, c'est tout simplement, ils sont là. Toi, toi et toi. Voilà les fameux romans, 4 romans pour le prix Nouvelle Voie du Polar. Donc il y en a qui sont en cours de lecture, mais voilà, ça c'est mes dernières arrivées. Question numéro 7, le roman que tu attends le plus avant la fin de l'année. Et du coup là, je suis allée sur Booknote pour voir un peu les livres apparaître d'ici le mois de décembre. Et j'avoue que je suis un peu difficile parce qu'il n'y a pas grand-chose qui me tente ou que j'attends en particulier. Il y a évidemment le fameux Amélie Nothomb qui sort chaque année pour la rentrée littéraire. Donc ça s'appellera Le Livre des Sœurs, donc qui sortira le 17 août chez Albin Michel. Voilà, moi Amélie Nothomb, j'aime beaucoup la lire, mais je préfère ses anciens livres. Mais voilà, je ne me précipite pas dessus, j'attends vraiment de les trouver en seconde main. Mais sinon, on va dire que le roman que j'attends le plus, la sortie que j'attends le plus, c'est le tome 6 des enquêtes d'Anna Swanson de Joanne Fluke, donc qui va s'appeler Meurtre et biscuits au sucre, et qui sortira le 20 octobre aux éditions Cherche Midi. Et ben, normalement, hein, je croise les doigts, si tout va bien et si Benoît ne m'a pas oublié, normalement je devrais le recevoir parce que je suis partenaire avec Cherche Midi, donc j'espère le recevoir. La couverture fait très très Noël, je vous la mettrai ici. Du coup, je pense que ce sera une lecture que je me réserverai pour le mois de décembre. Et d'ailleurs, j'ai le tome 5 qui m'attend dans ma pile à lire et que je devrais lire, je pense, en septembre-octobre pour le Pumpkin Autumn Challenge. Question 8. Le livre que tu viens de finir, celui que tu es en train de lire et le prochain que tu liras. Donc, vous l'avez vu, celui que j'ai terminé, c'est Le silence de Manon. Le proche, enfin mes lectures en cours, j'en ai toujours deux. Hein, si vous me suivez depuis longtemps, je lis toujours au moins deux, voire trois livres en même temps. En ce moment, c'est deux parce que j'ai une lecture au boulot qui est dans le tiroir de mon bureau pour la pause du déjeuner et puis une lecture sur ma table de chevet à la maison. Donc ben là, je les ai pris les deux parce que c'était le week-end, donc du coup, je les ai ramenés. Ma lecture de bureau, c'est celle-ci, L'enfant étoile de Catherine Hennberg. Donc, pareil pour le prix Nouvelle Voie du Polar, et puis toujours dans le prix Nouvelle Voie du Polar. Ma lecture de chevet, c'est Les femmes qui craignaient les hommes de Jessica Moore. Donc, voilà mes deux lectures en cours. Et le prochain que je vais lire, donc en SP, on va dire, ben, ça sera celui-ci pour le prix Nouvelle Voie du Polar, donc La part du démon de Mathieu Le Serre. Et en perso, j'hésite entre Un manoir en Cornouailles de Eve Chase, qui se passe en été en plus. Et puis j'ai très envie de me plonger dans le tome 7 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb parce que ah, j'ai trop envie de savoir la suite. Où est-ce qu'on en est? Question 9. Un moment marquant dans ta vie de lectrice en ce début d'année? Alors ça, c'est marrant parce que ben, il va sortir prochainement. Donc j'ai participé à un podcast. Le podcast Une semaine, un livre, et Elodie m'a gentiment invitée sur son podcast. Et voilà, j'ai enregistré cet épisode, je sais plus, c'était au mois de février, mais il va sortir que là, le 26 juillet normalement, puisque je dis bien normalement parce que initialement il devait sortir en juin, mais finalement ça a été décalé au mois de juillet. Normalement, quand vous verrez cette vidéo, l'épisode est sorti, il est disponible. Donc si vous voulez aller l'écouter, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà, c'était un petit challenge pour moi, parce que j'ai beau faire des vidéos et tout, l'exercice du podcast, c'est un peu différent. J'étais un petit peu stressée, mais bon, ça s'est bien passé. En plus, Elodie est super sympa. Je suis quand même contente de moi d'avoir relevé ce challenge de faire un podcast. Donc voilà. Et enfin, la question 10, as-tu pris des résolutions pour la fin de l'année? Alors, l'idéal, ça serait de lire plus.
J'ai pas non plus envie de me mettre la pression parce que voilà, la vie fait que des fois on n'a pas le temps. Là, ça fait 2-3 mois que je viens de vivre un espèce de vortex, de tsunami de boulot, de rush. Vous savez, l'espèce de vague comme ça, de boulot qui vous vient comme ça et que vous avez l'impression de pas sortir la tête de l'eau et que ça ne finira jamais. Mais là, je pense qu'avec les vacances du mois d'août, les gens qui partent et tout, même les collègues qui partent, du coup, ça va peut-être se stagner, on va dire. Ça va. Ouais, je vais avoir peut-être plus de temps pour lire, pour me poser. Je sais que pour la lecture, il faut vraiment prendre le temps et voilà, avoir cette volonté de prendre le temps de lire, c'est important pour moi parce que ça fait partie de mes passions et c'est important aussi de garder du temps pour soi, pour faire des choses qu'on aime. Ça fait partie de l'équilibre vie pro, vie perso. Après, je sais que comme j'ai 2 heures, j'ai la chance ou la malchance, ça dépend du point de vue, d'avoir 2 heures de pause entre midi et deux. Du coup, je me garde toujours 1 heure sur ces 2 heures pour lire. Donc j'ai au moins 5 heures de lecture de sûr par semaine, où je sais que c'est un temps qui est rien qu'à moi. Je ferme la porte de mon bureau, là, je fais mon associé, j'en ai rien à foutre, mais au moins je lis pendant 1 heure tous les jours au bureau, et ça fait un bien fou, parce que du coup, je sais pas, la lecture a vraiment ce don de faire complètement baisser le stress, et ça fait du bien. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose. Voilà, que j'ai envie de faire plus, de lire plus, de prendre ce temps de lecture pour moi, parce que même le week-end, je lis pas trop, et bon, voilà, je lis moins qu'avant, c'est vrai. Mais la vie fait que c'est comme ça, mais faut pas oublier de garder du temps pour soi et pour ses passions, c'est important. Voilà, sur ce, je meurs de chaud. Je n'ai pas allumé le ventilo parce que je me suis dit que ça allait être horrible à écouter sinon en vidéo. Mais là, j'ai chaud. Je vais aller prendre une douche. Je vais boire parce que c'est important de s'hydrater. N'hésitez pas à répondre aux questions de ce tag dans les commentaires ou à quelques-unes si vous avez envie. Je serais quand même curieuse de savoir quel est le livre que vous attendez le plus d'ici la fin de l'année. Voilà, n'hésitez pas à répondre aux commentaires, à laisser un petit pouce si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est toujours pas fait, ça fait plaisir à moi et aussi à l'algorithme YouTube. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures, un bon été, de bonnes vacances si vous avez la chance de partir en vacances et courage pour ceux qui restent au travail comme moi. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!